Alors, je suis Benjamin Rose, responsable des boulangeries Rose à Vernon. Donc, une entreprise qui emploie 48 salariés, une quinzaine d'apprentis. Donc, nous avons créé l'entreprise en 1988, puis nous avons développé cette entreprise sur deux autres points de vente, sur une zone périphérique. Dans notre métier de la boulangerie-pâtisserie, nous travaillons des matières premières et des denrées périssables, mais nous sommes confrontés chaque jour à une perte potentielle de marchandises due à un flux de clientèle qui peut être plus ou moins important. Ça se traduit par une perte de chiffre d'affaires, un coût de traitement des déchets supérieur et le fait de jeter de la denrée alimentaire à la poubelle. Depuis longtemps, on fait des dons aux associations. Les salariés peuvent prendre aussi des produits le soir. On donne par exemple le pain aux agriculteurs pour leurs bêtes. Mais malgré tout, on a souhaité trouver une solution qui puisse aussi permettre, en termes économiques, de répondre à notre problématique de perte de chiffre d'affaires et de perte de produits. L'application Too Good To Go, on en entend parler quand même dans les médias depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'on n'avait pas tout de suite pensé à opérer cette application, notamment peut-être du fait qu'on soit plus en périphérie de grandes villes. Et au final, une de mes salariées m'a réinterpellé sur ce sujet et puis m'a dit j'aimerais vraiment le mettre en place. Donc je l'ai laissé faire. Cette application consiste simplement au fait de proposer à notre clientèle un certain nombre de paniers avec une valeur d'achat pour le client de 3,99 €. Nous, on met environ 12 € de valeur produit dans ce panier. Et ensuite, on met à disposition ces paniers sur l'application Too Good To Go. Les gens réservent ces paniers et à partir de 19h30 peuvent venir les chercher en magasin. En moyenne, on passe environ une dizaine de paniers par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nous qui décidons combien de paniers on met à disposition des gens. Sur le mois de novembre, on a sauvé 191 paniers sur une seule entreprise, ce qui équivaut à peu près à plus de 900 € de marchandises vendues, sur lesquelles on rétribue 25% à l'application Too Good To Go. Bah, j'ai trouvé que ça a dynamisé les équipes puisqu'au final elles se sont vraiment impliquées dans cette solution puisque c'est elles qui gèrent de A à Z le projet. Donc les jeunes apprécient énormément cette application. Le réseau social est ultra important et économiquement pour l'artisan c'est vraiment ce qu'il y a de mieux aujourd'hui puisque ça a un faible coût, voire un coût zéro. Il y a de plus en plus de consommateurs qui souhaitent passer des commandes par internet donc il faut être alerte vis-à-vis de ça. Et si j'ai une recommandation aussi à faire, c'est d'être vigilant sur l'image qu'on véhicule sur les réseaux sociaux.